Hey, what's up les frérots, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille, les amis, les cousins, que tout le monde est en putain de forme les gars, pour ma part ça va plutôt bien, je suis en bonne forme aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo commentée sur du Call of Duty Infinite Warfare en fond. Je vous présente vite fait le gameplay, après on va parler d'un petit sujet ensemble, un sujet assez, je dirais pas qu'il est fréquent, je dirais que c'est un sujet qu'on a déjà à peu près abordé, mais que je voudrais aborder surtout dans cette période qui est une période assez bizarre, assez fatidique entre guillemets pour le jeu et pour nous, et je voulais tout simplement en parler. Mais avant d'évoquer ce petit débat, ce petit sujet, pardon, je voudrais tout simplement évoquer d'abord le gameplay. Donc le gameplay, on a un petit gameplay, vous l'aurez sans doute deviné, sur du Call of Duty Infinite Warfare. Donc on est sur la bêta comme vous l'aurez compris, et donc cette personne qui est, je ne sais plus c'est quoi son nom. Je suis désolé frérot si j'ai pas dit ton truc là, ton nom, mais ton PSN voilà. Mais donc on est sur la map Throwback, il me semble, je crois que c'est le nom. Il est avec la NV4, si je dis pas de conneries. Oui, c'est avec la NV4. On va tout simplement réaliser une petite bombe nucléaire avec un gros 97 kills. Donc c'est vraiment un gros gameplay. On tente d'envoyer ce gameplay, comme vous l'aurez vu, à code QG. On est là, tu vois, sur H3ZK. Voilà, on est déter. On envoie nos gameplays dès qu'on a surtout des gros. Et celui-là, il est vraiment pas mal. On espère vraiment être pris. Non seulement pour le gameplay, mais on espère aussi, tu vois, pour le commentaire. Il faut que j'assure un minimum, tu vois. C'est une grosse chaîne. Donc du coup, vous êtes là, vous attendez du contenu, ce qui est un peu plus logique, tu vois. Je vais pas faire le mec qui te commente le gameplay pendant 13 minutes, sinon tu vas vite te faire chier, ce qui est complètement, comment dire, normal, tu vois. Tu vois ou pas? Bref, aujourd'hui, comme je vous ai dit précédemment, je vais tout simplement élaborer un petit débat avec vous. C'est vraiment pas un débat. Ouais, si, c'est un débat. C'est un débat dans un débat, en fait, tu vois. Je sais pas si t'as compris, mais en gros, on va élaborer une situation qui se passe ces derniers temps, qu'on a remarqué. Pour les youtubeurs, pour la plupart des youtubeurs, c'est la baisse d'activité sur les vidéos Call of Duty. Comment vous dire ça? C'est vrai que, alors avant juste de vous parler de ça, qu'on soit bien clair, le truc va pas être structuré. Je suis pas là pour vous réciter un cours. Je casse un peu ce délire là de vas-y, on fait une feuille, tu vois, et on récite un peu. Je trouve que tu te fais vite chier. Je suis là pour parler comme si vous étiez juste en face de moi. Je parle avec vous, je fais une question-réponse entre guillemets, tu vois, j'imagine un peu vos réponses, tu vois. Je sais pas si t'as compris, mais voilà, je suis vraiment pas là pour structurer la chose. Je pense que sinon vous allez vous faire chier, c'est vraiment pas le but pour moi et pour vous, tout simplement. Donc comme je vous disais, ce qu'on a vu récemment, c'est des personnes entre guillemets qui se lassent, qui se lassent de Call of Duty. Peut-être pas du jeu de Call of Duty, on dirait un kigou, tu sais, de Call of Duty. Mais voilà, les vidéos sont moins attractives entre guillemets. Je pense que c'est même la réalité. On le voit sur les différentes vidéos de certains youtubeurs. Les vues ont nettement, peut-être pour certains, nettement baissé comparé à des vidéos sur du Call of Duty Black Ops 3 ou d'autres, et j'en passe et j'en passe. Et le problème aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que c'est parce que c'est du Call of Duty Infinite Warfare que ce Call of Duty attire beaucoup moins, que quand tu regardes une vidéo, tu vois du Call of Duty Infinite Warfare en fond, tu te dis ouais, bon, voilà le gameplay vite fait, tu vois. Est-ce que c'est pour ça, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Moi, je veux simplement élaborer ça avec vous aujourd'hui, et puis qu'on débatte tout simplement ensemble de ça. Je pense que vous avez certains différents avis, et c'est plutôt sympa qu'on les mette un peu ensemble, tout simplement, et qu'on voit quelle est la réalité des choses, tout simplement. Moi, j'ai mon petit avis, je vais l'évoquer avec vous. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce que je vais évoquer, tout simplement. Alors, comme je vous ai dit, on a une baisse des vues sur du Infinite Warfare. Le gameplay est complètement... complètement défoncé. On a le trailer qui sort d'abord, le trailer complètement, comme je vous ai dit, voilà, plus de 3 millions de likes si je dis pas de conneries, de dislikes pardon, beaucoup de personnes qui sont déçues, qui sont là, qui revoient un code futuriste, etc. Beaucoup de gens qui sont déçus, qui parlent déjà d'aller sur BF1, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de déceptions après ce premier trailer, et donc les joueurs se posent des questions naturellement, se disent bon voilà, c'est quoi encore cette merde qui va nous sortir. Donc le trailer, on est déçu. Moi le premier, j'ai eu le trailer, j'ai fait oui, c'est quoi ça encore. Moi je voulais vraiment un gameplay entre guillemets moderne, tu vois, qui date récemment. C'est vraiment les Call of Duty qui ont le plus marché, et quand il te sort ça, le truc, t'as encore des armes, tu voles encore, ça me faisait chier, tu vois. Et je me dis ouais, on repart encore dans la même merde quoi, et franchement ça me faisait chier. Des gameplays qui sortent au fur et à mesure, certains youtubeurs qui vont, donc comme je vous ai dit, je vous avais dit ça dans une précédente vidéo, qui vont à Los Angeles. Et résultat, on a des gameplays. On a des gameplays qui sont, on va dire, plutôt pas mal. C'est pas forcément ouf, tu vois, mais d'après les youtubeurs et d'après ce qu'on peut voir, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est pas si dégueulasse comme ça.
On a pu tâter le jeu pour les joueurs PS4 pour deux week-ends, pour les joueurs Xbox pour le week-end précédent, le week-end dernier au moment où je vous parle. Et on a pu constater donc que le jeu finalement était, enfin pour ma part, pas si dégueulasse. J'ai déjà proposé, il y a une vidéo, une de mes vidéos qui est passée sur CodeQG récemment, et je me suis fait défoncer sur le fait que je partais du principe que pour moi le jeu n'était pas dégueulasse. C'est mon avis les frérots, ce qu'il faut savoir c'est que c'est mon avis, tu vois, on a chacun, comme je vous ai dit précédemment, un différent avis, un différent point de vue. C'est la société d'aujourd'hui qui fait que bah voilà, il y a une grande diversité, tu vois, parce que si tout le monde avait le même avis sur un jeu, sur telle ou telle chose, on serait dans la merde, tu vois. Le but c'est qu'il y ait une diversité des avis, etc. Parce que la société est faite comme ça, tu comprends ou pas? Bref, et donc on arrive à ce stade là une diversité de la communauté, une diversité de la société. C'est pour ça que je voulais en revenir à ça, parce que moi je me suis fait charrier par certains sur le fait que j'ai dit qu'Infinite Warfare était pas aussi mauvais que je le pensais. Que non, était pas aussi mauvais que ça, et que pour certains le jeu était complètement dégueulasse, hein, qu'il fallait renier le jeu, etc. Écoutez, chacun votre avis, comme je vous ai dit, je me répète sûrement, mais ça m'énerve, ça me gaffe, parce que tu vois des mecs qui sont là, ils disent ouais, non, mais de toute façon, le jeu est plus la merde. Gros, c'est ton avis, tu vois, t'as ton avis, ton jeu est plus la merde, c'est ton avis. Moi perso, je trouve que le jeu y passe comparé à ce qu'on s'attendait, c'est mon avis, c'est mon droit, tu vois, mon droit de citoyen, quoi. Bref, voilà, c'était une petite parenthèse, je voulais l'évoquer, on passe à autre chose. Et donc j'avais dit, voilà, que le jeu était pas si mal, etc. D'autres le pensent, d'autres pensent l'inverse, etc. Bref. Mais à la fin, quand même, les avis se diversifient. Je dirais se diversifient tout simplement parce que, au départ, on avait quand même un jeu qui était renié par tout le monde. Hein. On était même moi le premier. Hein. Je disais, c'est quoi cette merde? On a du Battlefield d'un côté. Tu vas me dire, ouais, je suis sur une chaîne Call of, je parle de Battlefield, mais c'est la réalité. Je pense que tout joueur que tu connais la concurrence, en l'occurrence Battlefield, on a Battlefield 1 qui te sort un jeu carrément moderne, c'est-à-dire le jeu de nos jours, tout simplement. Et qui te met dans une période où on est là, première guerre mondiale, etc. Franchement, super thème. Personnellement, j'y ai joué à Battlefield 1, c'est une super impression. Voilà, tu t'éclates, franchement, c'est sans prise des têtes. Et t'es vraiment dans le thème d'aujourd'hui, tout simplement. Et t'as Battlefield 1 qui te sort ça, et à côté, t'as Infinite Warfare qui te sort, un truc qui date, qui va en 3040, tu vois. Enfin, un jeu que personne, qui a un thème que vraiment pas beaucoup de monde apprécie, tout simplement. Et c'est un peu ce que personne ne comprend. Et donc, c'est pour en venir à ce que je disais. On a pu chacun tester la bêta, en tout cas pour la plupart un minimum, et je pense qu'on a pu en tirer des conclusions. Je vais pas être là à vous dire, ouais, alors écoute, moi je pense que ça c'est bien et que ça c'est moins bien, tu vois, je pense que vous l'avez assez entendu aussi, c'est pas très original, surtout de vous dire que moi je trouve que les points positifs c'est ça, les points négatifs c'est ça. Pour évoquer sur un point de vue général, je pense qu'on peut dire de ce jeu, et ce qu'on peut dire de ce jeu en général, c'est que on s'attendait à pire, comme je disais précédemment, on s'attendait à pire. Et c'est pas plus mal, tu vois, c'est pas plus mal, parce qu'on se dit du coup, ouais voilà, le jeu, ça va, tu vois, le jeu, voilà, on se dit finalement, c'est pas aussi dégueulasse que ça. Et moi, je voudrais simplement évoquer ça avec vous dans les commentaires, évoquer surtout l'inquiétude qui provoque, parce que je vais revenir au sujet du départ. C'est pour ça que je vous dis que le truc est pas structuré, je vais partir un peu dans certaines choses qui m'importent et qui vous importent sûrement, et dans un débat on est obligé de rester dans la même lignée. Moi j'aime bien passer sur plein de choses en même temps, je trouve ça mieux, tu entends plusieurs choses, tu parles plusieurs choses, et c'est carrément mieux que de parler toujours la même chose pendant 13 minutes, tu vois ou pas? Et donc pour revenir à ce que je disais au départ, on s'attend à un jeu, finalement le jeu est mieux que ce qu'on pensait, et puis mais le paradoxe entre guillemets avec ça, c'est qu'on a les vues pour la plupart des youtubeurs qui baissent sur du Call of Duty Infinite Warfare, alors que tu regardes les années précédentes sur les Call of Duty quand ils sortaient, voilà quoi, ça marchait plutôt bien. Là t'as des gros gameplay qui sortent déjà, des nucléaires nanana, et le nucléaire express, etc. T'as déjà des gros gameplay qui sortent, mais t'as beaucoup moins de vues, t'as pas autant de vues que ce qu'ils faisaient avant. Alors après tu te dis, c'est Call of Duty, moi, ce que je vous ai dit au départ, moi j'ai un avis qui diffère par rapport aux autres, on a chacun un avis différent, mais mon avis est très simple, pour moi c'est pas le Call of Duty. Ça joue peut-être un rôle, un petit rôle, on va dire un quart, on va dire que ça joue, allez, un quart, voilà, voire la moitié, c'est le Call of Duty en soi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont restées sur cette première lignée du « ce jeu va puer la merde », du coup ils regardent peut-être même plus de vidéos, et qui regardent plus du tout de vidéos, et du coup ils ne s'informent pas vraiment, et savent peut-être même pas que le jeu finalement n'est pas si dégueulasse que ça. Et donc... moi je pars pas sur cette ligne là, moi je pense que la plupart des joueurs qui ont dislike le trailer, c'est des joueurs déjà qui saignaient bien le jeu, tu vois, t'arrêtes pas Call of Duty comme ça du jour au lendemain. Croyez-moi, personnellement j'ai fait cette expérience là, je sais que Call of Duty à un moment donné j'ai coupé court par rapport à mes études, etc. Je jouais beaucoup trop à Call of, et même si tu vas jouer beaucoup moins, tu vas toujours acheter le prochain Call of Duty parce que voilà, tu regardes toujours, t'as toujours cette petite âme qui te dit ouais voilà, c'est quand même un jeu que j'ai kiffé, un jeu que j'ai saigné, et puis ouais, j'ai passé une mine de rien, de super bon moment dessus. Et donc tu décroches pas totalement, tout simplement. Moi je pense que c'est pas ça. Moi je pense tout simplement
Et là, ça peut faire boum, ça peut faire un truc de ouf, tu vois. Mais pour moi, c'est les titres, en fait. C'est tout simplement les titres putaclic. Alors moi, j'ai rien contre ça, parce qu'on est beaucoup à le faire. Moi, le premier, tu vois, je vais faire des titres un peu accrocheurs pour faire des vues, etc. Mais le truc, frérot, c'est que quand tu proposes une feat Warfare, que c'est un nouveau jeu, c'est du Call of Duty, tu vas dire quoi, par exemple ? Nucléaire réalisé en 120 secondes sur Infinite Warfare. Tu vois, là, tu vas parler du gameplay dans ton titre. En parlant du gameplay dans ton titre, bizarrement, ou on va dire pour certains, c'est normal, tu fais moins de vues. Tu fais moins de vues et tu pourras regarder, ça c'est exactement pareil pour moi sur du Black Ops 3 par exemple. Tu vas dire, réaliser une nucléaire aussi rapidement, tu vas faire des vues, tu vois. Mais tu vas pas en faire autant pour un youtubeur sympa, pour une chaîne de team ou quoi, pour un youtubeur. Tu vas faire moins de vues que si tu dis, cette fille fait de la pornographie à 15 ans. C'est un exemple tout con, tu vois, parce que j'ai vu ça l'autre jour, j'étais sur le cul, cette fille fait de la pornographie à 15 ans, tu vois. Gros titre, truc choc, t'as des gens qui vont se poser la question, ouais c'est quoi ce bordel, ils vont regarder, ils vont cliquer. Tu comprends ou pas? Et les gens, je pense, ils mélangent trop aujourd'hui le jeu et la réalité. La réalité, pour moi, c'est que les titres font tout. Les titres font tout, c'est-à-dire que les gens, moi, je sais que personnellement, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est ça, sauf peut-être les joueurs performants, ceux qui découvrent un peu Call of Duty, et à un moment donné, tu vois tellement de gameplay Call of Duty, tellement de performances qui se répètent sur chaque Call of Duty, qu'à un moment donné, tu te dis, voilà, c'est bien, mais faut changer un peu. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et pour moi, ce qui fait tes vues, aujourd'hui, c'est les titres. C'est les titres et c'est le sujet que tu vas aborder. Pour moi, c'est plus dire oui, nucléaire réalisé en 120 secondes, nucléaire réalisé. Bon, il y a vraiment des nucléaires qui sont compliqués, tu vois, genre des nucléaires au gant de boxe, au couteau. Ça fait des vues, ce qui est normal parce que c'est très compliqué à faire et c'est très rare, tu vois. C'est pour ça que ça va faire des vues. Mais des nucléaires express, des trucs comme ça, voilà, t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup et du coup, t'as moins en moins de vues qui vont se faire. Mais pour moi, la réalité reste que voilà, c'est ton titre qui va faire ton nombre de vues. Et puis, ouais, voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça que la plateforme YouTube marche. Tu regardes dans tes abonnements. Chacun d'entre vous êtes des abonnés de Code QG ou de l'H3ZK si vous regardez cette vidéo. De l'H3ZK sur de Code QG, on ne sait pas, on verra bien. Mais vous savez que vous allez dans vos abonnements, vous avez que des gros titres, tu vois, des titres écrits en majuscules pour la plupart. Allez, 90%. Moi, dans mes abonnements, il n'y a que ça, tu vois. Tu as des gros titres en majuscules, voilà, qui te disent on va aborder tel sujet directement dans le titre, tu vois. Enfin, c'est le but recherché, mais genre vraiment un gros titre histoire d'accrocher la personne. Et c'est le but recherché. Chaque youtubeur va te faire ça. Moi, le premier, je vais te mettre un gros titre histoire d'attirer les gens, histoire d'avoir une interaction avec eux. C'est vraiment le but recherché pour un youtubeur. Je suis youtubeur et je suis le premier à rechercher ça. Que vous mettez des commentaires, les gars, c'est vraiment la meilleure chose. Personnellement, je préfère avoir des mecs qui me mettent des commentaires qui like, tu vois. Parce que quand t'as des commentaires, tu sais qu'il y a quelqu'un vraiment qui a regardé la vidéo. C'était pas un mec qui passait comme ça. C'est un mec qui a pris le temps de commenter ta vidéo, qui va te dire c'est du bon boulot ou vice versa que c'est du mauvais, etc. Pourquoi régler certaines choses, tu vois. C'est vraiment l'objectif. Et pour en revenir à ce que je disais, les frérots, pour moi, c'est les titres putaclic qui font tes vues. Qui font tes vues. Maintenant, je veux simplement avoir votre avis. Que vous soyez youtubeur, abonné, voilà, je sais pas, chaîne communautaire, chaîne de team performant, je ne sais pas, je m'en fous. Sincèrement, le but, c'est vraiment qu'il y ait un débat sur ça et savoir votre avis. Tu vois, avoir un commentaire avec qui donne un avis réel, un truc concret. Et tu verras avec les likes, etc., qui est d'accord, qui ne l'est pas. Sur ce concept là du titre putaclic et du Call of Duty Infinite Warfare. Est-ce que c'est Call of Duty Infinite Warfare ou c'est le titre putaclic? On a deux choses qui s'opposent et moi je voudrais tout simplement aborder celle-ci avec vous. En tout cas, j'ai essayé de l'aborder au maximum. Vous avez vu, en fait, je vous ai fait deux débats en un sans être un débat. Là, tu vas me dire, ouais, le mec, il est philosophe de ouf, il te fait des trucs, deux débats en un, mais en fait, c'est pas un débat. Non, mais en gros, j'ai abordé plusieurs sujets, mais je les ai tous ramenés au même point. Infinite Warfare, est-ce que c'est vraiment la cause de la perte de vue de beaucoup de youtubeurs? Voilà, n'hésitez surtout pas à dire vos avis dans les commentaires, les gars, moi ça me ferait plaisir, et puis c'est surtout le but de cette plateforme, hein, d'interagir ensemble, et puis de donner nos différents avis, tout simplement, frérot. Voilà, on approche de la fin de la vidéo, vous avez vu que le gameplay était vraiment plaisant à regarder, juste pour ça, n'hésitez surtout pas à lâcher, putain, j'ai galéré, c'était la fin de la vidéo, tu peux comprendre, je pense, tu vois, à lâcher un like si t'as la performance du joueur t'a plu, et si bah, les commentateurs a plutôt géré, tu vois, tu peux le dire également, ça n'empêche rien, et puis surtout, pour le travail fourni, ça fait extrêmement plaisir, n'hésite pas, comme si t'as vraiment kiffé la vidéo au max du max, je te laisse, je te remercie, je te souhaite une superbe après-midi, une superbe soirée, c'était Alphax. T'entends ou pas?